Assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Je devais vous faire une vidéo lorsque je débutais mon rishta. J'ai complètement oublié, j'y ai pensé lorsque j'avais déjà coupé mes légumes. Alhamdoulilah, j'ai pas mis le rishta dans la couscoussière. Donc il me reste du temps, je vais vous expliquer. Donc là j'ai mis des oignons, des navets, des carottes. Mon poulet, vous inquiétez pas, il est grillé, mais c'est pas grave, nous on enlève la peau, on la garde pas. Un piment pour ma maman, et voilà. Et là, le rishta, je l'ai mélangé à de l'huile. Normalement, on le mélange à de l'huile d'olive, c'est encore plus bon. J'ai mis un petit peu de cannelle, et voilà. Il faut savoir que normalement, il y en a beaucoup en commentaire qui vont me dire oui, mais le rishta, il n'y a pas de carottes. Il y en a qui ne mettent pas de carottes, enfin, dans la recette, ils n'en mettent pas, mais moi j'aime beaucoup le goût que ça donne, du coup j'en mets. Et chacun fait comme il veut. Ça se peut que vous allez tomber sur une autre méthode où il y en a, ils vont mettre de la tomate ou de la courgette. En tout cas, moi, celle que je connais, c'était que à base de navets et de. Je sais pas, je vais voir une louche. Je vais voir si on voit les pois chiches dans la sauce. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec ça. Attendez. Voilà, on les voit comme ça. Ils sont là, les pois chiches. Puis voilà, c'est tout. Sinon, voilà, c'est ce paquet-là que j'ai pris. Pourquoi j'ai dit Rishta depuis tout à l'heure? Mais moi, je suis pas une youtubeuse normale. Hein. Il me manque une case. Attendez. C'est Trida. C'est Trida. C'est n'importe quoi. Rishta, c'est les Oui, noms. mais je suis fatiguée, Trida. Et en fait, ce plat, je ne sais pas si vous vous rappelez ce matin, c'est ma soeur qui me l'a demandé parce qu'elle est, elle a atterri, c'est ce qu'elle veut manger au bled. Donc, c'est ça. J'ai acheté deux paquets comme ça parce qu'on va être nombreux. L'huile, bah, vous connaissez, j'ai utilisé celle-là, de la cannelle. Et puis, c'est tout. Hein? Ouais, je crois que c'est vraiment algérien. Sinon, je vais vous montrer un autre truc. Je vais cacher un peu. Je vais vous montrer notre baignoire. Dans Fallait trop. un jacuzzi. Ouais, je vais vous montrer mon jacuzzi. Pousse-toi, Shaima, s'il te plaît. Je vais leur montrer le jacuzzi. Pousse-toi là-bas. Comme ça, je te Non, filme mais pas, ma chérie. Non, non. Mais non. Pousse-toi. Vas-y. Voilà. Pousse-toi là-bas, un peu. Comme ça, je te filme pas. Bon, bref. Regardez. Belle petite bassine. Voilà. À l'ancienne, il n'y a pas mieux. Sinon, les légumes que j'ai épluchés, je vais vous montrer où je les ai mis. Là, c'est là que vous voyez ce que j'ai fait. Donc, navets, carottes, oignons, etc. Donc, tout ça, on va le mettre dans la terre. Ça va nourrir la terre, les vers de terre, etc., etc. Donc, voilà, c'est tout. Je voulais vous faire une vidéo, vous savez, parfaite, là, comme ils font les youtubeurs, ils mettent des pauses, des plans et tout. Mais voilà, à chaque fois, j'ai essayé, entre ma fille qui était à la douche, ma mère que j'ai appelée son Yassir, vous savez, l'application comme vous avez Uber, là, où vous appelez là, vos taxis, il y a eu ça, il a eu du mal à trouver l'adresse, parce que j'habite vraiment dans une ville où ça a été difficile pour qu'il vienne là où j'habite. J'aurais été sur Alger, il serait venu en 5 minutes, mais là, ça a été difficile. Après, pourquoi j'étais en retard? Après, j'ai oublié le poulet. Du coup, j'ai acheté le poulet à la dernière minute. Je l'ai brûlé vite et vous avez vu, il est complètement grillé. Mais c'est pas grave vu que c'est que la peau. Et voilà, Inch'Allah qu'il va être bon. Inch'Allah que ça va plaire à ma soeur. Puis c'est tout. Sinon, bah rien. Bah, sinon, rien. Juste dégoûté de ne pas vous avoir filmé comme je voulais. La recette, et à chaque fois, hein, je disais à ma mère, j'arrive pas à leur faire une vidéo avec une recette où, genre, je filme bien. Il y a toujours un imprévu. Peut-être avec le temps, genre, je deviendrai une professionnelle et je vous ferai des vidéos de bonne qualité, mais pour l'instant, voilà, l'art arabe, ça s'est fait comme ça. Je vais repartir chez moi. Je te fais peur? Voilà. Là, tu fermes parce que j'ai peur qu'une souris, elle rentre. Non, j'ai peur. Donc, le linge, faut le pousser pour que ouais, je vais laver. Regardez tout le linge que j'ai. On en a encore dans la corbeille. Ça, c'est en attente d'une prochaine machine. Tiens, tu me le rinces vite fait. Ta machine, Attends. ça, c'est bien là. Je vais me laver les mains, j'ai touché la terre.
La machine, elle est éteinte pour moi. Ouais, je sais. Je sais pas faire moi, mes 10. Je sais pas faire. Non, moi, oui, Rishta. Mémel préfère Rishta, mais moi j'aime pas. Non, non. Mémel aime bien les. Je vais mettre la cannelle. Les bouts de pâte là. Ah non, les longs spaghettis. Maman, on peut faire un gâteau avec de la cannelle. Ah oui. Ben oui. Bon, voilà. On peut faire un gâteau avec du poivre. Ben non. Bon, voilà. Et ça va aller tout dans la couscoussière. Tu me tiens le téléphone quand je le mets dans la couscoussière? Tiens, tu filmes pas, s'il te plaît, juste mes mains. Là, je vais leur montrer. Donc sans, là, il n'y a pas d'eau. Hein. On rappelle, il n'y a que de l'huile. Normalement, il y a de l'huile d'olive. Mais voilà, j'en ai pas. Et en plus, c'est cher. Donc, c'est avec l'huile Helio là-bas. Tu peux leur montrer. C'est avec celle-là que j'ai faite. Donc là, je vais mettre mon Trinida ici. Je vais le faire passer comme ça jusqu'à que les petits carrés en fait soient cuits, en fait ça cuit à la vapeur, et après je vais récupérer l'eau, je vais récupérer l'eau, le bouillon, et je vais arroser étape par étape en fait doucement mes Trinida, et à chaque fois je les passe à la couscoussière jusqu'à que chacun, il y en a qui vont dire 3, 4, 5 fois, moi c'est jusqu'à que je sens que mon Trinida il est bon et il est appétissant. Je prends pas la perche. Non. Moi je mange que. Donc voilà. Et ça, même les enfants, ils aiment bien ça. Ça c'est trop. Moi mon fils, il aime pas trop les légumes. Mais quand c'est Trinida, il les mange. Il aime trop. Donc voilà. Voilà, voilà. Ça, pour moi, c'est mieux que le couscous. Et à chaque fois que j'en fais, il n'y en a pas encore. Et je les. Genre, il n'y en reste jamais, quoi. Il n'en reste pas. Il n'y a jamais de reste. Allez, la baraka. Je ne sais pas comment je vais récupérer les derniers. Hein? Quand c'est le riz, tu fais ça? Je fais pas. Ah non, tu peux pas le riz, il y a trop de monde. Ouais, bah, ça, c'est si je peux faire plaisir à mon papa. Là, je sais que ma soeur, elle aime bien. Tu fais ça. Et puis voilà, les filles, c'est tout. Désolée, je suis pas une youtubeuse normale. Normalement, les gens, ils font des vidéos parfaites, là. Ils font les étapes. J'arrive jamais. Ils font la regardez-moi la présentation que je vous ai fait. Zit, ce côté, les déchets, après, une casserole qui n'a aucun intérêt ici. Après, ils mettent pause, après, ils mettent le Trinida chaud avec les légumes posés. Ah oui, comme normalement, ça. Après, je suis censée vous filmer avec l'assiette et tout. Regardez le gaze. Mais franchement, il est plein de gras. Est-ce que les youtubeurs, ils filment ça? Non. Mais bon, on est entre nous, on sait. Hein. Nous, les femmes, on sait. Eux, dès qu'ils font des vidéos, on dirait qu'ils ont des cuisines comme dans Top Chef. Ouais, c'est vrai. Non, moi, il y a de tout à l'heure, avant de faire la vidéo, il y avait ça qui traînait, je l'ai vite enlevé, j'avais peur. Dis-moi, voilà, c'était comme ça. Il y avait une bougie, un truc, j'ai dit, oulala, je vais faire la vidéo, vite, vite, je cache. Mais bon. Voilà, bon, je vous laisse. Voilà, on fait une vidéo avec une fille qui fait la vaisselle là-bas. L'autre se douche. Les gens, ils achètent des micros, comme ça on n'entend pas le bruit. Ouais. Bon, allez les filles. Je vous dis excellente soirée à vous. Celle qui veut critiquer ma façon de faire des Trinida, je vous en prie. N'hésitez pas, dites ce que vous en pensez. En tout cas, moi je les mange comme ça et c'est très bon. Voilà, sur ce, salam alaikum et excellente soirée à vous.